La maladie se définit par une entité opposée à la santé dont l'effet négatif est dû à une désharmonisation d'un système à un certain niveau du corps humain. Elle peut être moléculaire, corporelle, mentale et j'en passe. Elle peut être considérée comme une faiblesse, une perte de force, une gêne, une souffrance, une douleur, soit encore des malaises. La maladie, c'est aussi un mal qui dérange le bon fonctionnement du corps humain et ne permet pas à la personne souffrant de pouvoir se développer. Elle constitue donc un grand facteur d'appauvrissement. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Santé Plus, votre magazine de santé conçu dans l'objectif de vous faire découvrir les maladies et surtout comment y faire face. Bonjour et bienvenue dans Santé Plus, votre magazine de santé conçu dans l'objectif de vous faire connaître les maladies et surtout comment y faire face. Quoique nous sommes en période de crise sanitaire avec cette pandémie du COVID-19, bien tous ceux qui meurent actuellement ne meurent pas seulement à cause du coronavirus. Il y a plusieurs maladies dont nous avons choisi une ou plusieurs dans le groupe de ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires. Voilà, avec notre équipe technique, nous avons recueilli les avis de la population en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce qu'ils en savent et comment est-ce qu'ils s'y prennent face à cette maladie? Suivez ce reportage. Nous avons déjà tous entendu parler des maladies cardiovasculaires qui sont des maladies très graves et susceptibles à emporter les vies humaines. À Kinshasa, par exemple, les maladies cardiovasculaires, soit encore les MCV, sont devenues monnaie courante. Interrogeant par curiosité un échantillon de la population quinoise, nous avons découvert que malgré l'ampleur ou le risque que nous font courir ces pathologies, il y a jusqu'à ce jour ceux qui ignorent complètement ce que sont les MCV et parmi ceux qui en savent quelque chose, certains ignorent la cause. Je suis étudiant à l'université de Kinshasa, je suis l'infecté de pétrole, gaz, énergie nouvelle. Déjà entendu, puisque j'ai entendu certains amis en faire débat à la faculté de médecine, où on essaie de parler un peu de crise cardiaque. Bon, j'en connais pas vraiment, mais je connais quand même l'infarctus, je connais les AVC et puis je connais aussi les cardiopathies cérébrovasculaires. En famille ou dans mon entourage, non. Juste entendu parler. Oui, j'avais entendu ça. Lorsque j'étais à Calémie, j'ai vu un papa qui était attrapé de maladies cardio-vasculaires. Oui, surtout, il sortait au travail. En arrivant à la maison, il était tombé caduquement. Après ça, on l'avait transporté à l'hôpital. Là, on l'a amené à l'hôpital. On l'avait examiné. On a trouvé qu'à côté de droite, le pieu et la main étaient totalement faillites. Wow, j'en savais que je sais ce maladie qui trappe les gens. Je ne sais pas d'où vient cette maladie. Je suis étudiant en première graduée à Fazé à l'UPC. Non, je n'ai aucune idée là-dessus. Il est certes inévitable de mourir suite à une maladie, mais en qualité de médiateur, ce que nous avons à faire, c'est de prévenir pour limiter au maximum possible le taux de mortalité lié aux maladies. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, mais je ne suis pas seule. Comme je vous avais promis, nous serons toujours accompagnés d'un expert en santé pour plus d'informations. Je suis accompagnée du docteur Bruno. Bonjour docteur. Bonjour madame. Voilà, Esther. Si vous pouvez vous présenter pour que les téléspectateurs puissent mieux vous connaître. Je réponds au nom de docteur Bampende de Bruno. Okay. Je suis médecin généraliste dans un hôpital de l'État de La Place. Ok. Dites-nous, docteur, vous avez suivi les avis de quelques personnes qui ont intervenu au sujet de maladies cardiovasculaires. Personne ne savent pas, il y a de ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Les gens, d'autres personnes n'ont jamais entendu parler de ça et d'autres personnes qui savent, mais ne savent pas d'où ça provient et tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce terme-là, cardiovasculaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Merci madame. Les maladies cardiovasculaires, comme l'indiquent les mots,
Ce sont des maladies qui touchent le cœur et différents vaisseaux de l'organisme, okay. entre autres le vaisseau de grand et de moyen calibre. Okay. On comprend que le commun des mortels ne soit pas trop au parfum de la chose. Peut-être que d'autres appellent ça autrement, maladies cardiaques, tout ça. Okay. Mais nous, nous regroupons ça en maladies cardiovasculaires. Ah, d'accord. Oui. Donc, il y a, c'est l'ensemble de plusieurs maladies qui ont trait au cœur et au vaisseau, c'est ça? Justement. D'ailleurs, dans un terme un peu plus technique, okay. c'est un syndrome. C'est-à-dire un ensemble de plusieurs maladies ou entités. Docteur, dites-nous un peu, en résumé, quelles sont les maladies qui en font partie? Oui, madame, les maladies cardiovasculaires, il y en a les gens que nous essayons parfois de regrouper selon certaines classifications. Okay. Je vais me mettre à les énumérer comme suit. Nous avons les maladies cardiovasculaires qui sont appelées l'athérosclérose, okay. hein, en première position. Athérosclérose. Okay. Nous avons l'hypertension artérielle. Nous avons l'insuffisance cardiaque. Elle peut être gauche, droite ou encore globale. Okay. Nous avons des cardiopathies que nous appelons ischémiques. Nous avons des cardiopathies que nous appelons congénitales. Oui. Nous avons encore ce que nous appelons les troubles des conductions okay. et les troubles des rythmes. Mmh. Alors, il y en a les gens, comme je disais. C'est un peu ça qui regroupe les quelques maladies cardiovasculaires que nous retrouvons. Alors, docteur, je suis un peu curieuse de savoir comment est-ce qu'on peut reconnaître ou quels sont les symptômes des maladies cardiovasculaires? Oui, la maladie, d'ailleurs, de par sa définition, a des signes et des symptômes. Déjà, sur le plan un peu plus technique, nous nous disons symptômes, okay. c'est que le malade vous présente. Et nous appelons signes, c'est que nous-mêmes, nous objectivons en termes techniques. Alors, par rapport aux symptômes hein, de la maladie ou des maladies cardiovasculaires, le malade peut avoir plusieurs plaintes, c'est-à-dire... qu'il peut se plaindre, par exemple, d'une douleur thoracique. Oui. Hein, une douleur au niveau du thorax. Et cette douleur a des caractéristiques. Vous sentez une douleur un peu derrière le sternum. Okay. Une douleur parfois qui est suffocante, constrictive et tout. Ça, c'est un élément important qui montre ou qui fait... qui révèle une maladie cardiovasculaire. Nous avons aussi ce qu'on appelle dyspnée, c'est-à-dire c'est une difficulté de respiration. Le malade a l'impression d'être étouffé, mm-hmm. il a l'impression de suffoquer, il a l'impression de ne vraiment pas avoir un air qui passe dans ses poumons. Et en dehors de ça, nous avons aussi ce que nous appelons les palpitations. Hein, le malade peut vous présenter avec... une sensation anormale ou exagérée des battements cardiaques. Okay. Vous le sentez? Nous tous, nos cœurs battent. Ouais. Mais oui. celui-là, il sent vraiment, il n'a plus à faire autre chose. Parce qu'il sent son cœur okay. battre énergiquement. C'est ce que nous appelons des palpitations. Ça peut faire partie de symptômes de maladie cardiovasculaire. En dehors de ça, nous pouvons avoir des œdèmes, c'est-à-dire des gonflements, essentiellement au niveau des membres inférieurs, que nous okay. appelons. Et ces œdèmes ont des caractéristiques de déclivité, d'accord. c'est-à-dire c'est plus au niveau des pieds et de la cheville que nous appelons périmaléolaire. Okay. Hein, ce sont des signes. Parfois, le malade peut avoir une toux qui est sèche, une toux qui est un peu embêtante là, mais il ne ramène pas de crachats, il n'a pas d'expectoration. Et en dehors de ça, le malade peut avoir un malaise que nous appelons souvent syncope. Okay. Il y a l'impression de perdre connaissance, une sensation indescriptible, soit il tombe. Et ça peut être là des signes révélateurs d'une maladie cardiovasculaire. Donc il y a vraiment, vraiment plusieurs signes. Parfois on ne fait pas attention à ça. Justement, déjà, pourvu qu'on en connaisse. On ne sait pas. On peut ressentir des douleurs, quelque chose. Bon, on se dit parfois c'est passager, mais... c'est très dangereux, alors, après tout ce qu'on a entendu parler. Donc, alors, docteur, dites-nous, oui. comment appelle-t-on le médecin qui soigne ce genre de maladies? Alors, nous tournons tous autour de la cardiologie, oui. hein, c'est-à-dire, cardiologie, c'est rapporte au cœur. Mm-hmm. Hein.
Alors, celui qui soigne les maladies cardiovasculaires est appelé cardiologue. Ok. Il est cardiologue. C'est un médecin interniste cardiologue. Ah, d'accord. Oui. Est-ce qu'il y a une structure dans ce pays, ou je ne sais pas si vous en savez une ailleurs, qui s'occupe spécialement de maladies cardiovasculaires? C'est une entité parmi tant d'autres. Ouais. Il y a plusieurs hôpitaux de référence. Il y a quand même un service ou un département de médecine interne. Okay. Et dans ce département de médecine interne, c'est structuré. Nous avons des cardiologues, nous avons des néphrologues. Ah, d'accord. Nous avons, j'en passe au fait. Okay. Donc partout où j'irai, lorsque j'ai un problème de cœur, je peux trouver un cardiologue partout. Il n'y a pas un centre spécialisé pour traiter les cœurs. Alors il faudrait un peu recadrer. C'est-à-dire que le malade lui-même ne dit pas qu'il souffre d'un problème de cœur. Ah, d'accord. Alors tout médecin est formé, tout médecin généraliste est formé pour détecter au moins un signe ou encore plusieurs d'une maladie cardiovasculaire. Mm-hmm. Et c'est alors qu'il peut orienter le malade chez un cardiologue. Par exemple, pour ne pas peut-être faire de la publicité, à l'hôpital général provincial des références de Kinshasa, ex-Mamayemo, il y a un service de cardiologie et il y a des médecins attitrés pour cela. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui provoque ou quels sont les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires? Merci madame pour cette question. C'est une question qui est un peu vague et elle est toujours sujette à beaucoup de débats jusqu'à ces jours. C'est comme ça que vous verrez que dans les maladies cardiovasculaires, les causes directes ne sont pas doigtées ou pointées du doigt. Il y a ce que nous appelons, comme vous avez dit tantôt, facteurs de risque. C'est-à-dire ces éléments-là, réunis ou encore isolément, sont à même de provoquer une atteinte du cœur et des vaisseaux de calibre assez important. Alors, nous allons le regrouper, nous les appelons les facteurs de risque. Et ces facteurs de risque sont classés selon qu'ils sont majeurs ou selon qu'ils sont mineurs. Okay. Ça, c'est une première classification. Ils sont aussi classés selon qu'ils sont modifiables ou non. Alors, parmi les facteurs de risque cardiovasculaires majeurs, nous avons entre autres l'hypertension artérielle qui vient en première position. Nous avons le diabète sucré, nous avons le tabac, nous avons les maladies rénales chroniques, bon, ce sont des termes comprenez, maladies rénales chroniques. Je ne me retrouve pas dans ce que vous dites, en fait. Je découvre aussi en même temps. Oui, justement, je vais essayer un peu d'expliquer en deux mots compréhensibles pour tous. C'est-à-dire, l'hypertension artérielle, tout le monde connaît. Oui. Le maladie rénale, c'est-à-dire une atteinte des reins, une atteinte des reins qui peut avoir diverses origines. Nous avons la prise de tabac, la cigarette ou autre forme encore, qui est un élément très important, il faut le dire. C'est comme ça qu'il est classé parmi les facteurs majeurs. Ah, d'accord. La cigarette, le tabac. Et nous parlons aussi de dyslipidémie, c'est-à-dire des troubles de régulation des lipides dans le corps. Okay. Les lipides, c'est la partie grasse de l'organisme, les graisses, comme on appelle ça en termes un peu vulgaires. Lorsque la matière grasse n'est pas bien raffinée ou... Ce n'est vraiment pas du tout ça. Mais nous regroupons les lipides ou les graisses en plusieurs types. Alors, alors nous avons par exemple ce qu'on appelle la bonne graisse. Nous avons, on parle de cholestérol. Le cholestérol est cité. On dit bon cholestérol qu'on appelle HDL cholestérol et le mauvais cholestérol que nous appelons LDL cholestérol. Ça sont des termes. Et puis nous avons ce qu'on appelle les triglycérides. Ce sont des formes de stockage de lipides ou des matières grasses dans l'organisme. Et en dehors de ça, il y a aussi d'autres facteurs qui sont cités comme étant majeurs de maladies, comme facteurs de risque cardiovasculaire. Mais en dehors des facteurs majeurs, dont je n'ai pas tout cité, il y a des facteurs mineurs. Il y a les facteurs mineurs. Dans les facteurs mineurs, nous voyons la prise d'alcool. Par exemple, lorsqu'on prend pour un homme plus de
de 3 verres par jour, c'est un facteur de risque. Et pour une femme, plus de 2 verres par jour, c'est un facteur de risque. Mais pourquoi pas les femmes de prendre plus que les hommes? Parce que vous considérez que ce sont des êtres faibles ou quoi? Non, ce n'est pas nous, en fait, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Alors, en dehors de l'alcool, il y a l'hérédité. Ouais, hein, c'est-à-dire le fait d'avoir eu un parent qui a souffert d'une maladie cardiovasculaire, un membre de famille, c'est-à-dire un événement cardiovasculaire, ça c'est encore un autre terme que nous utilisons, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu une mort subite dans la famille, quelqu'un qui a fait un infarctus du myocarde, quelqu'un qui a fait par exemple une pathologie cardiovasculaire quelconque dans la famille, ça expose aussi la personne qui fait partie de cette lignée-là d'enfer. Donc nous pouvons dire que c'est soit une maladie héréditaire ou une maladie contagieuse? Non, pas contagieuse, mais héréditaire. Ok. Héréditaire. Ça fait partie. Il y a aussi l'âge. Il y a l'âge. Nous devons mettre un accent là-dessus selon le donc, sexe. Donc parmi les personnes à risque. À risque, oui. Justement. Okay. Parmi les personnes à risque, il y a l'âge. C'est quel âge? C'est l'âge au-delà de 50 ans pour un homme et au-delà de 60 ans pour une femme. Mais à partir de 70 ans, les deux courent le même risque. Okay. Alors, c'est un élément aussi qui expose aux maladies cardiovasculaires. En dehors de ça, il y a les conditions socio-économiques qui sont parfois précaires, ça expose. Il y a le stress qui stress est là. Aussi, surtout le stress avec cette pandémie du Covid. Parfois, on a peur même d'attraper un simple rhume, ça pose problème et tout. Le stress est un élément très important, madame, dans la genèse de maladies cardiovasculaires. Le stress est là. D'ailleurs, il y a un profil psychologique qu'on appelle profil de type A. Okay. C'est-à-dire les personnes qui aiment trop leur travail, oui. qui sont très imprégnées dans ce qu'ils font, qui ont le goût de ce qu'ils font et qui veulent toujours le travail très bien fait là, qui se précipitent. C'est aussi un profil qui vous expose un peu à... Bon, je ne vous décourage pas. Donc, ça vous expose un peu aux maladies cardiovasculaires. Okay. C'est un peu ça. Alors, docteur, vous dites que les maladies cardiovasculaires ne sont pas contagieuses. Je peux dormir dans un même lit avec une personne qui en souffre sans pour autant que je ne sois contaminée, c'est ça? En tout cas, soyez-en rassurés. Quand un malade a un problème cardiovasculaire, il ne peut en aucun cas vous le transmettre. Ce sont des maladies qui sont regroupées dans les maladies non transmissibles, comme on les appelle. Oui. Alors, lorsque on constate qu'on a des signes tels que les douleurs, comme vous avez dit, les douleurs thoraciques. Thoraciques, hein, pour dire le thorax. Oui, voilà, des palpitations, tout ça, et qu'on se rend à l'hôpital. Quels sont les moyens que vous utilisez pour diagnostiquer ça? Dans nos coutumes, c'est-à-dire nos coutumes académiques, le médecin, c'est d'abord la clinique. Hein. La clinique, c'est la médecine de ce que vous dites, de ce que je vois et de ce que je pense avant d'entamer les examens paracliniques, comme nous les appelons. Alors, le médecin qui reçoit un malade avec des signes qui ont trait à un problème cardiovasculaire va mettre en marche des investigations. Oui. D'abord, il a des éléments cliniques qui l'orientent vers un problème cardiovasculaire et il va demander des examens selon l'ordre d'importance et selon le moyen aussi du patient. Du patient. Oui. Donc, alors, vous voulez dire que c'est pour ceux qui se retrouvent un peu financièrement, pour ceux qui ne sont pas en mesure d'assurer cette prise en charge? Notre médecine est une médecine moderne, ça il faut le dire. Okay. Alors nous sommes butés à beaucoup de problèmes, hein, surtout sur le plan logistique, pour poser certains diagnostics et prendre en charge certains malades. Mais la médecine reste la même, elle est opposable à tous, selon les races, selon la religion, les appartenances ethniques et tout. Alors ces moyens vont quand même du plus simple au plus complexe. Alors par exemple, quand un malade vient avec un problème
qui a trait à une maladie cardiovasculaire. Le médecin va l'ausculter. Hein, c'est le stéthoscope. Je vous vois porter un stéthoscope. Oui, oui. C'est un élément, c'est un outil très important en cardiologie. Okay. Ah, d'accord. D'ailleurs, c'est comme le capital d'un cardiologue. Il n'a que son stéthoscope pour dire un mot. Okay. Alors, il y a, entre autres, il va demander des bilans sanguins. Il peut demander des examens du sang qui peuvent orienter. Hein, il peut demander un examen incontournable qui est l'électrocardiogramme, qu'on appelle ECG, okay. Hein, et qui voit l'activité. Électrocardiogramme. Oui, oui. Ok, hein. ECG. ECG, okay. Pour voir le fonctionnement électrique du cœur. Mm-hmm. Et puis, il y a l'écho cardiaque. L'écho cardiaque, okay. Ou écho Doppler cardiaque, ce qui, mm-hmm, est un élément très important. En tout cas, avec ces deux examens, l'ECG, l'écho cardiaque et quelques bilans sanguins, on peut être à même de poser un diagnostic assez confirmé pour une maladie cardiovasculaire. Alors, comment est-ce que ces maladies sont traitées? Il faut des interventions chirurgicales, il faut juste le repos. Quand vous parlez par exemple des stress, il, oui, faut juste se reposer et puis paf, ça va. Et alors, qu'est-ce que vous faites pour traiter? Nous devons faire la part des choses. Il y a les maladies sont à prévenir. La meilleure médecine, c'est la prévention. Okay. Les facteurs de risque dont je viens de parler, ce ne sont pas des maladies. Oui. Mais ce sont plutôt des stades prémonitoires qui peuvent amener aux maladies. Okay. C'est-à-dire, par exemple, pour prendre en charge les maladies cardiovasculaires, il faut commencer par la prévention. Parce que la prévention coûte moins cher, ça, il faut le dire. Ouais. On vous dit, par exemple, mangez bien, tout ça, c'est gratuit. Hein? Je pense que quand on vous dit mangez bien, on ne vous donne pas de l'argent. Alors, par exemple, par rapport à la prévention, mm-hmm, il faut tous les facteurs que nous venons de citer ici. Oui. Hein? Et déjà, il faut ne pas fumer, par exemple, oui, ne pas fumer, c'est bon. Ne pas fumer ou ne pas fumer en excès? Non, la cigarette, il n'y a pas de dose. Okay. La cigarette expose, ou le tabac expose gravement aux maladies cardiovasculaires. Mm-hmm. C'est différent de l'alcool, en fait. Okay. Ah, oui. Alors, ne pas fumer. Avec l'alcool, il faut prendre avec modération. Avec modération, justement. Mais fumer carrément, fumer, non. Il faut arrêter de fumer. Bon, okay, je ne suis pas là en train de porter des leçons de morale, mais je l'ai dit en tant que médecin. Mm-hmm. Voilà. Et arrêter de fumer, par exemple, améliorer son alimentation, d'accord, une alimentation qui doit être équilibrée. Et puis, parce qu'il faut dire aussi que l'obésité est un grand facteur, est un facteur de risque, oui, oui, pour les maladies cardiovasculaires. Okay. L'obésité, oui, qui est un facteur de risque important, il faut équilibrer son alimentation. Mmh. L'hypertension artérielle, c'est-à-dire déjà il faut prendre certaines mesures d'hygiène, entre autres, par exemple, une bonne consommation de sel, oui, à de quantités pas exagérées, mmh, une certaine prévention dans l'hygiène de vie, ce sont des moyens, entre autres, bon, l'hérédité, on n'en peut pas, je vous ai dit tantôt, okay, qu'il y avait des, mais facteurs, oui, dont on était exposé d'office, là, c'est déjà... on n'y peut rien. Okay. Hein, mais comme je vous disais, ce ne sont pas de maladies, mais ce sont des facteurs. Okay. Alors, si déjà, par exemple, il y a un certain nombre de facteurs, l'on peut adopter certaines attitudes pour réduire. Alors là, c'est lorsque le malade n'a pas encore une maladie cardiovasculaire, mmh, avérée. Mais lorsque, par exemple, le malade a présenté déjà des signes ou a encore été diagnostiqué de maladie cardiovasculaire, mmh, là, il est vu par un spécialiste ou un médecin, un cardiologue qui le suit, d'accord, et qui va instaurer un traitement, okay, qui sera d'ordre mesure d'hygiène, c'est-à-dire MHD, mesure hygiéno-diététique, comme on dit. Et en dehors de ça, il sera soumis à un traitement, une thérapie, c'est okay, dont les classes sont variées selon la sensibilité de chacun, selon le profil du malade. Et puis, en dehors de ça, il y a, comme vous avez demandé, les mesures dépendent de la maladie, oui, du stade de la maladie. Mmh. Hein, parce que je vous ai dit que les maladies cardiovasculaires, ce n'est pas une seule entité. Okay. C'est plutôt un complexe. Oui. Hein, on peut arriver jusqu'à la chirurgie, à des interventions chirurgicales. Ah, on, bon, peut arriver jusqu'à à ce qu'on appelle la chirurgie interventionnelle. Tout ça, c'est varié par rapport, d'accord, à tout ça. Et je suis un peu curieuse de savoir, lorsqu'on souffre ou on a souffert d'une
d'une des maladies cardiovasculaires à la fin, après traitement ou lorsque même ça a pu nécessiter une intervention chirurgicale. Après, qu'est-ce que la personne devient? Elle redevient normale comme avant ou il va t'y rester des séquelles? Alors, je me répète encore, la prévention, c'est la meilleure médecine. Toute maladie cardiovasculaire ne se résout pas complètement et on est guéri définitivement. C'est rare. Okay. Par exemple, l'hypertension artérielle, c'est une maladie à vie. Par exemple, certaines cardiopathies ischémiques, ce sont des maladies à vie. Okay. Alors, il faut une certaine discipline. C'est-à-dire, lorsqu'on n'a pas pu prévenir et qu'on est malade, il faut suivre le traitement de façon régulière. L'on peut améliorer le mode de vie, on peut améliorer le confort de la vie. L'on peut bien vivre si on respecte bien les mesures. Hein, et c'est dans des rares des cas qu'on peut avoir des guérisons définitives. Mais c'est rare. C'est rare. Ok. Alors, docteur, vous êtes en train de dire que les maladies cardiovasculaires sont très graves, sont très, il faut vraiment beaucoup d'attention, même dans ce qu'on ressent, dans notre mode de vie, tout ça. Et qu'est-ce qui peut arriver au moment où on refuse de se soumettre à tout ça? Bon, et la réponse est... Une personne peut vivre, en fait, ce que j'allais demander... Une personne peut vivre avec l'une de ces maladies à vie et puis s'en foutre. Est-ce que ça engendre des conséquences ou En tout cas, madame, c'est ce que nous appelons la prévention secondaire et la prévention tertiaire. C'est-à-dire que il peut arriver que vous ayez une maladie cardiovasculaire dont la prise en charge a été bien faite et faite à temps. Et que vous soyez guéri, et on va vous soumettre. Et lorsqu'on ne se soigne pas, Lorsqu'on ne se soigne pas, c'est dangereux. Des signes, et on par la foi, on croit en Dieu, on sait que Dieu va agir. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est la mort carrément ou Oui, je suis désolé de vous dire que la mort peut s'en suivre, surtout que c'est le cœur. On connaît tous ce que représente le cœur dans l'organisme. Okay. Toute maladie, en tout cas, quelle que soit sa gravité, peut nous amener vers des situations fatales. À combien plus forte raison le cœur? Alors, c'est très dangereux pour un malade qui souffre d'une telle pathologie de ne pas suivre les traitements, de ne pas respecter les mesures hygiéno-diététiques. Alors voilà, chers téléspectateurs, ça c'était la première partie qui concerne les généralités. À propos des maladies cardiovasculaires. Et donc, nous allons passer à la deuxième partie où nous allons décortiquer les maladies cardiovasculaires une après une. Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons décortiquer les maladies cardiovasculaires une après une. Et dans un premier temps, nous allons parler de l'athérosclérose. Alors, docteur, dites-nous, qu'est-ce que c'est? Merci, madame. L'athérosclérose, c'est un remaniement. C'est-à-dire, je vais essayer un peu d'être un peu plus succincte. Ok. Nous avons parlé des vaisseaux tantôt, c'est-à-dire le cœur et les vaisseaux. Les vaisseaux, c'est comme un tuyau. Oui. Un tuyau, il y a une paroi et il y a une lumière. La lumière, et puis la paroi a des couches. Des dehors en dedans ou de l'extérieur vers l'intérieur. L'athérosclérose, c'est juste un remaniement de ces couches ou encore de la paroi des vaisseaux dû à un dépôt de lipides, comme nous avons parlé tantôt, un dépôt de lipides et de plusieurs transformations qui empêchent en fait que le sang puisse bien circuler dans le vaisseau. Okay. Justement. Ah, d'accord. Et quelle est la partie du corps qu'elle attaque le plus souvent? En tout cas, je suis
peut-être bien éberlué de vous dire que l'athérosclérose atteint tout l'organisme, de la tête aux pieds. Pourquoi ? Pour la seule raison que le vaisseau quitte les cœurs et vont partout dans l'organisme. Bien évidemment, ce sont les vaisseaux de moyen et de grand calibre. Et alors, quels sont les signes particuliers par rapport à d'autres maladies cardiovasculaires ? Quels sont les signes particuliers de l'athérosclérose ? Les signes particuliers de l'athérosclérose, nous avons, en tout cas, selon un ordre peut-être crânio-caudal, c'est-à-dire de la tête aux pieds, le malade peut vous faire un AVC. C'est un grand signe de l'athérosclérose. Le malade peut vous faire une AVC. C'est-à-dire accident vasculo-cérébral. Ah, ok. Accident vasculo-cérébral. Ok. Oui. Il peut vous faire un AVC. Le malade peut vous venir avec une douleur intense et constrictive au niveau de la poitrine. Entre autres, c'est ce qu'on appelle soit un infarctus du myocarde, soit il peut vous faire un angor. Bon. Ce sont des termes. Ce sont des termes. Vraiment. Et puis, voilà, les malades peuvent venir avec une douleur abdominale intense et survenue brutale. Parce qu'un caillot ou une embole a échoué dans un vaisseau quelconque. Les malades peuvent vous faire aussi des douleurs au niveau de mollets, généralement. Des douleurs au niveau de mollets ou encore de cuisses, mais généralement au niveau de mollets. C'est ce que nous appelons des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs. Donc généralement c'est causé par les mêmes facteurs. Justement, d'ailleurs il est dit que l'athérosclérose est une grande pourvoyeuse de maladies cardiovasculaires parce qu'elle touche en tout cas les cœurs et tous les vaisseaux au point où elle peut entraîner des désagréments à tous les niveaux. Donc c'est elle la maîtresse des maladies cardiovasculaires. En tout cas comme vous le voulez. D'accord. Comment est-ce que vous traitez ? Comment est-ce que vous la traitez ? Le départ, d'abord, il faut dire que c'est un problème du lipidogramme. Le lipidogramme, c'est juste le quota de graisse dans l'organisme. Lipidogramme. Lipidogramme. Voilà. Ça vient des lipides. Ce n'est pas pour vous faire peur. Voilà. Alors, non, c'est non, un pas quota. Du tout. La répartition des lipides dans l'organisme. Alors, lorsque, par exemple, on a une augmentation du cholestérol LDL, et lorsqu'on a, par exemple, une augmentation des triglycérides, vous voyez qu'à la longue, les vaisseaux sanguins seront menacés par cet excès de mauvais cholestérol qui va endommager les vaisseaux. Les vaisseaux, et c'est de là que va commencer toute la physiopathologie de la maladie de la maladie cardiovasculaire exprimée par l'athérosclérose. Et pour s'en prévenir, docteur, comment est-ce qu'on peut adapter nos comportements, nos habitudes pour ne pas attraper En tout cas, l'athérosclérose, au départ, il faut aussi dire qu'en dehors du fait, en dehors de l'apport externe, c'est-à-dire de ce que nous mangeons ou de nos habitudes, il y a aussi certains troubles des lipides qui sont génétiques. C'est quand même décrit. Mais pour ce qui est facilement évitable, c'est l'alimentation. C'est-à-dire une alimentation riche en cholestérol HDL, nous appelons ça le bon cholestérol. Éviter beaucoup de graisses animales. Par exemple, l'alcool aussi favorise l'accumulation de graisse. L'alcool revient encore. L'alcool revient, l'accumulation de graisse, du mauvais cholestérol. Et par exemple, l'obésité, l'obésité qui est aussi un élément qui entre en jeu. Alors, l'alimentation doit être équilibrée sur le plan de graisse, si on peut dire ça en termes simples, sur le plan de graisse. Et lorsque l'on a des signes qui des signes qui nous orientent vers une maladie ou une athérosclérose, voir un médecin, le diagnostiquer et les traiter, puisqu'on peut traiter et améliorer les conditions de vie. Ah, vraiment, c'était très important de s'entretenir avec vous, chers téléspectateurs. Nous allons devoir nous limiter à ce point et nous aurons toujours le temps de parler de
plusieurs autres maladies avec le docteur qui sera toujours à notre côté. Mais avant la fin, nous allons passer à notre rubrique d'actualité de santé. Suivez. La RDC est le siège d'une épidémie appelée rougeole. Cette dernière est considérée comme la pire au monde avec plus de 6000 décès dans l'espace d'un an. Malgré la vaccination de plus de 18 millions d'enfants de moins de 5 ans à travers le pays, la couverture vaccinale reste insuffisante par rapport à l'ensemble de la population à risque. Raison pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, demande de 40 millions de dollars pour un plan de réponse de 6 mois visant à étendre la vaccination aux enfants âgés de 6 à 14 ans afin de faire face à cette cruelle épidémie. D'autre part, l'épidémie Ebola reste toujours active. Outre la faible couverture vaccinale de la population vulnérable, l'épidémie a été aggravée par d'autres facteurs comme la malnutrition, l'accès difficile aux soins, l'insécurité dans certaines zones du pays. Jusqu'à ce jour, la RDC continue sa lutte contre l'épidémie Ebola, qui a déjà fait 2233 morts sur les 3390 cas enregistrés d'après le dernier bilan. Cette deuxième épidémie sur le sol congolais touche les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, les deux régions à proie à des violences. Pour ce qui concerne le COVID-19, le bilan du secrétariat technique du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie du COVID-19 en RDC annonce jeudi 14 mai. 212 personnes contrôlées positives sont guéries depuis le début de l'épidémie, déclarée le 10 mars 2020. Cependant, 56 nouveaux cas ont été enregistrés le 14 mai, d'où le cumul des cas confirmés est de 1299 cas et un cas probable. Au total, il y a eu 51 décès et 392 cas suspects sont en cours d'investigation. Enfin, le bulletin indique que 979 patients sont en bonne évolution. Voilà donc, nous sommes de retour et... Avant toute chose, avant de terminer cette émission, nous allons demander au docteur de nous dire un mot de la fin par rapport à tous ceux qui nous suivent. Certains nous ont pris en cours. Non, on ne sait pas c'est quoi, qu'est-ce qui provoque. Si vous pouvez un peu résumer ce que nous venons de dire par rapport à nos téléspectateurs. Oui, merci madame. Je dirais que les maladies... non transmissibles font partie de causes de mortalité sur le plan mondial et c'est évalué autour de 70%. Et dans ce quota de 70%, il y a environ 40% de maladies cardiovasculaires qui sont à la base des décès. Donc, de loin, plus graves que le COVID-19. Okay. Alors, sur ce... il est très important que nous adoptions une attitude ou une hygiène de vie qui nous permette de prévenir les maladies cardiovasculaires. Et il est aussi important que nous sachions quels sont les signes ou le symptôme qui nous orientent vers une maladie cardiovasculaire auprès d'un spécialiste. Et après cela, que nous soyons traités à temps. Nous soyons traités, pardon, à temps pour... les maladies cardiovasculaires afin d'éviter les complications qui parfois sont irréversibles. Ah, alors sur ce, c'est l'hygiène de vie. Nous commençons par l'hygiène de vie. Je ne fais que le répéter, la médecine, la meilleure, c'est la préventive. C'est-à-dire une bonne hygiène de vie, éviter le stress, éviter les mauvaises habitudes alimentaires riches en, par exemple en graisse animale. Par exemple, éviter le tabac, soigner bien soigner l'hypertension artérielle, bien soigner le diabète, bien soigner les maladies rénales, éviter de rester sur place pendant longtemps, ce que nous appelons la sédentarité, être détendu, suivre le sport, faire pratiquer aussi le sport. Okay. L'exercice physique est un élément important Okay. qui nous prévienne et j'en passe. Voilà, nous devons prendre conscience sur ce que c'est les maladies cardiovasculaires, car ça tue. Ok. Merci. Alors, merci docteur. Nous venons là de suivre le résumé de notre expert de santé que nous avons invité, qui sera toujours le bienvenu sur notre plateau.
Merci de nous avoir suivis. Merci de rester branchés sur nos antennes. Surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube, La Tour TV. Et nous espérons bien vous retrouver à la prochaine. En cas de suggestion ou contact, veuillez appeler au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Merci. La maladie se définit par une entité opposée à la santé dont l'effet négatif est dû à une désharmonisation d'un système à un certain niveau du corps humain. Elle peut être moléculaire, corporelle, mentale et j'en passe. Elle peut être considérée comme une faiblesse, une perte de force, une gêne, une souffrance, une douleur, soit encore des malaises. La maladie, c'est aussi un mal qui dérange le bon fonctionnement du corps humain et ne permet pas à la personne souffrant de pouvoir se développer. Elle constitue donc un grand facteur d'appauvrissement. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Santé Plus, votre magazine de santé conçu dans l'objectif de vous faire découvrir les maladies et surtout comment y faire face.